Hey, salut tous les amis, c'est Romain, pas 2, pas 3, c'est Romain. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une grosse vidéo, une vidéo FAQ pour les 2000 abonnés. Voilà, vraiment merci infiniment, c'est juste énorme, 2000 abonnés. C'est pas parce qu'il y a 2000 abonnés qu'on arrête de s'abonner et de liker, non. Justement les gars, maintenant je vous le dis direct, go les 3000 abonnés. Hein. Mais voilà, donc du coup merci encore à vous et pour cette vidéo, ça va être une vidéo FAQ pour les 2000 abonnés. Donc dans l'onglet communauté de la chaîne, je vous avais demandé de me poser des questions pour cette vidéo. Donc je vais répondre dans cette vidéo aux questions qu'on m'a posées. Donc on va commencer tout de suite avec les questions. Donc d'abord on a Owi, Tom de BS qui nous dit GG, go les 3K. Donc merci à toi mon gars, go les 3K, t'as raison. Comptes-tu montrer ta tête un jour? Donc oui. Ça c'est une question qui va revenir pas mal de fois. Oui, je compte montrer ma tête mais pas tout de suite. Et puis il y a déjà des vidéos qui sont disponibles où on voit ma tête. Est-ce que je compte faire de nouveaux contenus? Bien sûr, hein, c'est toujours important de changer de contenu. Et enfin, quel âge as-tu? J'ai 14 ans et j'ai une sœur. Voilà, merci pour ton commentaire. Ensuite on a Norcis qui me dit: quel âge as-tu? J'ai 14 ans, je crois que mon âge vous allez le connaître par cœur. Tu habites où? J'habite dans le 53 à Mayenne. Et c'est quoi ce que t'aimes le plus faire dans la vie? Je dirais le foot. Merci à nouveau pour le commentaire. Ensuite, on a Paolo Eleven qui dit: tout d'abord GG pour tes 2000 abonnés. Merci, ça fait trop plaisir. Une question qui est, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire YouTube et ton dessin animé préféré? Mon dessin animé, je pense, c'est Foot de rue, voilà, vous pouvez le savoir. Et ce qui m'a donné envie de faire YouTube, bah, j'avais un cousin qui avait commencé des vidéos. Et franchement, j'avais pas mal aimé. Et puis j'aimais beaucoup YouTube, c'était une de mes plateformes préférées. Et du coup, voilà. Et ensuite, il dit: ta chaîne est trop cool, merci mec, ça fait ultra plaisir. Et merci pour le commentaire. Ensuite, The Torf, le qui dit: la réaction de tes parents quand ils ont vu que tu as eu un cas. Bah, en vrai, ils étaient contents pour moi, mais vu qu'ils connaissent pas le monde de YouTube trop, bah, ils s'en foutaient un petit peu. Mais on va dire quand même qu'ils étaient contents. Je les rends fiers. Pour mes parents, je donnerai tout, je les rends fiers. Ensuite, on a Manga Naruto qui me dit: est-ce que tu vas montrer ta tête bientôt? Oui, ça arrivera, mais faut attendre encore un peu, les gars. Et sinon, GG pour tes futurs 2K. Merci à toi, mon pote, et merci à vous deux pour les commentaires. Ensuite, Lorenzo et Teddy qui dit: GG pour tes 2000 abonnés. Est-ce que tu comptes faire d'autres dessins animés sur ta chaîne? Sûrement, ça viendra, mais je compte pas non plus en faire des milliers de dessins. Mais pourquoi pas, on verra bien. Nilfou qui me demande: à quel âge as-tu commencé de regarder foot de rue? J'ai commencé à regarder foot de rue vers 4-5 ans, je crois, 3 ans. Enfin, j'étais assez petit quand j'ai commencé, j'en regardais sur Gulli. Et go les 1 million d'abonnés. Ouais, t'as raison, go les 1 million. Ensuite, on a Mugi qui me demande mon animal de compagnie préféré. Alors, mes animaux de compagnie préférés. Non, pour de vrai, ça me fume. Mon animal préféré, c'est le chat, enfin, de compagnie, voilà, c'est le chat. Aïe, 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 le bug, il a commenté, bon, il a pas de questions, mais il me fait un petit GG pour les 2K, et il me donne de la force pour la suite, donc merci, mec, ça fait trop plaisir. Ensuite, on a Mamadou Fall qui dit: qu'est-ce que tu penses de la nouvelle saison de Fortnite, poteau? Donc, franchement, Fortnite, j'y joue plus trop, je suis plus sur du Fall Guys ou Rocket League, mais ça a l'air pas mal pour les fans de Marvel, donc voilà. Ensuite, on a Kido Nazuma qui me demande le personnage que je déteste le plus dans Foot de rue. Donc je te laisse aller voir ma vidéo où je parle de mon top 15, il me semble. Donc voilà, ou top 10, je sais plus. Ensuite, le meilleur match dans Foot de rue pour toi, bah, je dirais quand même la finale face au Meninos, hein, c'était quand même incroyable. Le meilleur joueur en stade dans Foot de rue, bah, c'est sûrement Tag, parce que voilà, c'est un petit peu le boss, quoi. Merci mec, en tout cas pour ton commentaire, et il me dit GG pour les 2K. Et c'est qui Rome 2, Rome 3? Franchement, je sais pas trop. Maintenant, on a Naël Courta qui me demande: comment as-tu fait pour être aussi célèbre? Alors, je sais que c'est un message pour rigoler, mais je vais répondre sérieusement parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui me demandent: comment as-tu fait pour arriver jusqu'à 2000 abonnés, machin, machin. Alors, les gars, ça va être très simple. Je vais vous dire deux conseils. Un, c'est la personnalité. N'essayez pas de reproduire quelque chose que quelqu'un d'autre a fait et que ça l'a fait percer, non. Personnalité et mettez la qualité sur vos vidéos. Si vous voulez percer, faut qu'il y ait un minimum de montage et surtout de la personnalité, c'est très important. Merci à toi pour le commentaire, le ref. Yayou qui me demande si j'ai des frères ou des sœurs. Ben oui, j'ai une sœur. Merci à toi pour le commentaire. Ensuite, on a New Storm qui me demande pourquoi j'ai commencé YouTube. Et sinon, GG, donc d'abord, merci à toi. Ensuite, je vais répéter
J'ai commencé YouTube parce que mon cousin avait créé une chaîne et que franchement j'adorais, enfin je trouvais ça sympa de faire des vidéos et de voir le nombre de vues, le nombre de pouces bleus, le nombre d'abonnés augmenter au fur et à mesure, et j'ai vraiment toujours aimé YouTube, donc voilà pourquoi j'ai commencé YouTube. Merci à toi pour le commentaire. Ensuite, LBAOR me demande combien j'ai de skins sur Fortnite. Alors, je viens de compter exprès pour toi. J'ai 121 skins et il me demande si je suis fort. Alors, je suis pas fort, mais je suis pas nul non plus. On va dire que je suis un joueur moyen. Ensuite, Rapt95 qui me demande si j'habite à Paris. Eh bien, non. Et je suis français. Voilà, merci à toi pour le commentaire. Et Swirl qui me demande avec tous les joueurs de foot doré, si tu devrais prendre une équipe de 8, tu prendrais qui? Alors écoute, c'est une idée de vidéo que je dois faire, mais par 11, voilà, donc je te laisse attendre la vidéo qui sortira, et merci encore pour le commentaire. Maintenant, on a mon petit Mangadokan qui demande tes amis sur YouTube. Alors sur YouTube, j'ai pas vraiment d'amis, mis à part toi, parce que t'es un peu la personne qui fait mes miniatures, etc., donc ça m'aide beaucoup. Donc je te remercie d'ailleurs. Est-ce que j'ai des projets de vidéos? Oui, j'en aurai sûrement à venir. J'en ai quelques-uns, mais voilà, je vous en dis pas plus. Des futurs gameplays, peut-être des gameplays Fall Guys, on verra bien. Et tes meilleurs amis dans la commune foot de rue. J'aime pas mal de personnes comme Gabriel foot de rue qui m'aide pour certaines vidéos. Tag F2R aussi qui m'a aidé pour une vidéo. Puis bien sûr Diego foot de rue et puis bien d'autres que je ne cite pas, mais voilà, ils sont tous sympas dans la commune foot de rue. C'est bientôt la fin des commentaires, donc là on va finir presque par des commentaires de Leiloussa. Elle m'a mis plein de questions, donc je vais répondre que à ceux que j'ai pas déjà répondu. Mon âge, j'avais déjà répondu, j'ai 14 ans. Ma couleur préférée, c'est le bleu et le vert. Les nouveaux contenus, ça arrivera très bientôt, je vous en dis pas plus. Je m'appelle bien Romain. Dédicace à toi, Léa. Je suis en 3e, le brevet, ma matière préférée, c'est le PS, et non, je ne compte pas faire de nouvelles introductions. Pour l'instant, les nouveautés des demi, il n'y en a pas encore. Je connais Hans depuis environ près d'un an. Qu'est-ce qui m'a fait changer de contenu? Bah, tout simplement l'évolution de l'âge, bien sûr. On fait pas pareil quand on change d'âge. Et puis, je trouve que c'était un peu pas ouf, quoi. Et enfin, une dernière question. Comment ont réagi tes parents quand tu leur as dit que tu avais créé une chaîne YouTube? Donc d'abord, je leur ai demandé la permission, voilà, parce que j'étais assez jeune, hein. Je sais pas si vous regardez une première vidéo, j'avais peut-être 10 ans. Donc quand même, pour créer une chaîne à 10 ans, pour moi, fallait que je leur dise. Fallait que je leur demande, ils m'ont dit oui. Ils étaient abonnés à ma chaîne, ils regardaient un peu ce que je faisais, maintenant ils regardent plus trop. Mais voilà, bah ils avaient un peu peur, ils me disaient, mes parents, c'était un peu le genre de parents à dire, ouais, faites attention aux réseaux sociaux, enfin, t'as capté. Mais du coup, voilà, en vrai, ils ont bien réagi, et voilà. Bon bah voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, une grosse vidéo parce que c'est la vidéo des 2000 abonnés, donc je vous remercie encore à tous pour vos commentaires et à tous, bah, pour tous mes abonnés, voilà, merci vraiment à tous. Je lance un hashtag, je suis resté jusqu'ici, dans les commentaires, voilà, si vous êtes resté jusqu'ici, bah, si vous êtes des vrais, quoi, vous avez vraiment resté toute la vidéo, alors que c'est en soi une vidéo pas exceptionnelle, pour la plupart vous attendez juste vos commentaires, et sinon si vous êtes resté jusqu'à là, c'est que vous êtes des vrais, donc voilà, n'hésitez pas à écrire un petit hashtag je suis resté jusqu'ici. Voilà, merci encore. Venez me suivre sur mes réseaux sociaux, ils sont tous en description. Et voilà, merci encore à tous pour les 2000 abonnés. On s'arrête pas là, go les 3000 abonnés. Et sinon, nous on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Et bien sûr, j'allais oublier, mais ça paraît évident. On n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu et de s'abonner, voilà, pour se diriger le plus rapidement possible aux 3000 abonnés.